Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de God of War. God of War avec ce saloperie de monstre de glace que je n'arrive pas à passer. Je peine énormément. Je vous invite à me dire dans les commentaires. Bon, bien sûr, je sais qu'il va avoir des trolls et tout ça, mais sachez que ça m'atteint pas. Donc je m'en fous un peu. Mais dites-moi dans les commentaires. La méthode, quelle est la putain de méthode? Est-ce qu'il y a un truc plus facile à faire et à savoir? Parce que je vous avoue, à chaque fois, ces bébêtes-là, je Allez, peine, par ici! quoi. Je m'occupe de ça! Mais Attends! non. Parce que, à part lui courir autour, je vois pas trop de choses. Vas-y, dis-moi que c'est bon. Hein. Oh, une tarasse. Bien de la vie par contre, mais non, me redonner un peu de vie là. Ouf, chaud. Ah, un panier, ceinturon, clarté mystique. La ceinture renforcée, c'est favorise la récupération. Pourquoi il met pas une branlée au gamin? C'est ça qui m'énerve. Une bonne branlée, quoi.
vous imaginez que je meurs. C'est quoi? C'est quoi? Comment ça s'est fermé? Ok, je peux rien faire contre ça. Encore sur le stress de du précédent combat, je vous jure. Le petit talisman que je trouvais qu'au départ il t'en donnait pour tout et pour rien, et maintenant je recherche désespéré. Oh. Ah, ça veut dire qu'il va y avoir du combat aussi. Comme tu veux. Je vois un talisman vert là-bas. Bah alors, t'es un dieu, tu peux pas monter et passer les corniches tout seul. Je vais donc arrêter ce que j'étais en train de faire. Pardon. Oh. Pourquoi j'améliorerais ça? Ça n'a aucun intérêt. Ah, ceinture mythique. Et l'autre, j'ai deux emplacements. On va pas chier. Une petite
pierre de résurrection, à mon avis, serait pas négligeable. J'espère juste ne pas la redépenser de suite, quoi. Comme j'ai fait la dernière fois. Flamme de glace. Là, c'est une flamme du chaos, ouais, machin. Parcelle. Oh, tu allais dire quelque chose? Putain, j'ai plus d'argent. Attends. Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, attendez. On va déjà faire bouger les. Comment je fais? Est-ce qu'il est échangé les enchantements? Voilà. Ça déjà. Ensuite, emplacement. Je peux en mettre un autre, ça c'est cool. Très faible chance d'avoir une grâce de récupération. Forte chance d'obtenir un regain à chaque parade réussie. Ouais, je crois que je vais mettre ça. Sérieux là, c'est les parades, ça va, j'en fais quand même. Et ouais, je pense. Je pense que je vais faire de la vente aussi. Peut-être pas mal de faire de la vente. Je pense pouvoir trouver l'énergie nécessaire. Ah, je veux vendre. Vendre, voilà. Protection de torse. Non. Protection avant-bras. Peut-être. C'est sûr que tu te sens soulagé. Ah si, ça c'est des trucs que je peux me débarrasser. On va peut-être garder celle-là pour l'instant. Taille. Ceinture brune. Pourquoi ils ont... Oh putain, j'ai du mal. Armure d'Artreus. Oh, il daigne me laisser l'aider. Couperonné. Ah bah oui. Ravi que mes outils hors de prix s'avèrent utiles. Enchantement. Ressources, donc acheter, ouais, forcément j'ai les machins. donc maintenant, est-ce que j'ai assez de thunas? Est-ce que tu ne préfères pas que Brock s'occupe de toi? Ah non, c'est 45. Ah merde, j'aurais jamais assez à la thunas. Est-ce que je peux faire autre chose? On n'a plus besoin de moi, hein. Polaire de clarté mythique. Une assez d'origine par la mort. Favorise la récupération. Oh, je viens de là. Donc c'est soit à droite, soit à gauche.
Normalement, j'irai à gauche. Mais... de toute façon, j'ai pas chaud. Je viens pas d'acheter un truc pour me revivre justement. Putain, ça m'énerve ça. J'ai niqué la pierre de résurrection, quoi. Poussière de royaume. Plus 10 000. Parfait. Pardon. Je me galère sans moi. Alors, Timorveux, ça se prend pour un dieu, mais ça s'est pas grimpé. Ah ouais, honnêtement, il m'agace. Et ça, c'est bon, ça. La vie, full vie, refume. Les embruns à fond. Bon, ça veut dire aussi qu'on va se taper sûrement un boss. Arrêtez, vous deux. Ce silence commence à être pesant. T'inquiète pas pour ça, on se concentre. Quoi, ça pue, ça sent embuscade ou une saloperie encore.
Nous y sommes presque. Enfin. Atreus, la rune. Grave ces motifs. Ah. Putain, ça c'est relou par contre. Non. Non mais j'ai bien compris qu'il fallait mettre sur les ronds, hein, les gars. Je l'avais bien compris, hein. C'est juste que j'ai une rigidité dans la manette pour l'instant. Elle est neuve, donc on a réussi. Bon, il va arriver une couille. Magnifique, n'est-ce pas? Je me souviens d'un jour où... Mon frère, attention! Je t'ai manqué. Atreus, traverse le pont! Je suis un dieu, moi aussi! Je peux t'aider! Lâche-le! Baldur, laisse-les partir! Prends-moi leur place! Je ferai tout faire! Voilà! Pendant tout ce temps, j'ai grand besoin de toi! Mais tu ne sers à rien! Finalement, c'est le garçon, le cerveau, hein? Non! T'as détruit la porte! C'était le seul passage vers Jotunheim! Oh, espèce de sale petit merde! Ne reste pas là, Atreus. Oui, vas-y, l'avorton, fuis. Laisse papa faire tout le sale boulot à ta place. Lâche-moi! Calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Je suis prêt! Atreus. Et moi qui pensais que ma famille était complètement tarée. Je te jure. Oh oh, ton père a raison, petit. Tu es loin d'être prêt. Dis, tu veux bien tenir ça pour moi, s'il te plaît? Merci. Atreus! Tu ne sais donc pas t'avouer vaincu! Yeah!
vais t'écraser. Pourquoi tu ne meurs pas? Je fais rien, alors. Qui a activé le pont? Hé! Je t'ai posé une question! Retard! Il était déjà verrouillé! Et quand le pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. C'est... Vraiment? Soit. Balder! Écoute-moi! Laisse-moi t'aider! Je suis toujours là, tu sais que je... Ne bouge pas! Est-ce que tu vas m'aider? Maintenant, tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement. Tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Mais lui, une paf. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. Oh, non. Pitié. On va aller migrer par là. Ah, encore des trucs. Ah, encore des trucs avec les lettres. Déjà qu'il y a un machin là.
mais on va s'arrêter là, nous aussi. Bon, je suis content d'avoir passé enfin le machin de glace là qui est une horreur. C'est vraiment un ennemi que je peine énormément à faire, parce que autant s'il y a une question de pattern, c'est un fait, autant il y a des choses que je peine un peu à comprendre sur le jeu. Genre, par exemple, pour moi, quand tu te protèges avec le bouclier, tu te protèges, donc tu n'as pas de dégâts. Et là, apparemment, malgré les protections, j'avais quand même des dégâts. Et c'était pas ouf. Sur ce, les démons, n'oubliez pas le like, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai vraiment eu peur de faire mes 3 vidéos sur passer le golem de glace. Hein, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas quoi son nom, je ne me rappelle plus. Je vous remercie encore. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.